Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing en collaboration avec la société FG Normal. Donc aujourd'hui avec FG Normal, ça va être un unboxing ni point de croix, ni diamond painting, ça va être un unboxing crochet, fil à crocheter ou à tricoter comme vous voulez, puisque tout fil se tricote ou se crochette. Alors je commence par quoi? Je vais commencer par mes crochets. J'ai deux petites filles qui sont en train de se chamailler pour me piquer ma trousse. Voilà, la petite trousse, la trousse sirène. Donc, dedans, à l'intérieur, il y a des accessoires. Le prix de tout ce que je vais vous présenter, c'est un set, ils appellent ça le set à crochet. 14,89 €. Donc, on va voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il y avait ça aussi qui est sorti du sac. Alors ça, par contre, je vous avouerai que je ne sais pas en quoi ça consiste. Ça a fait une bandelette à scratch. Autant vous dire que bah, pour l'instant, comme je ne sais pas à quoi ça consiste, je ne vais pas m'en servir. Et on a un petit mousqueton ici, comme pour l'accrocher quelque part. La trousse, pour ne pas faire bagarre, bah, je vais la garder, puisque vous allez voir à l'intérieur ce qu'il y a, c'est assorti et... Je compte bien tout. Je pense que je vais pouvoir tout garder pour moi. Nous avons des aiguilles Allen au nombre de rangées dans un tube. Donc celles-ci, je vais les laisser ranger dans le tube qui, hop. Alors, on a des trous, des chats plus ou moins larges. Voyez, là, c'est pour mettre les petits fils tout fin pour venir assembler nos morceaux par exemple ou attention dans tous les cas c'est pour faire des assemblages et là on a alors ça marche par deux alors là je vous ai présenté là on a des chats un peu plus grands et plus larges les aiguilles sont plus épaisses aussi donc ça c'est vraiment des aiguilles à laine ils sont alors 3 4 5, 6, 7, 8, 9. 9, donc il disait 10 pièces, mais avec la 10e pièce, ça doit être le tube pour ranger, je suppose. Donc on a quand même 9 aiguilles Allen en fer, enfin, elles ne sont pas en plastique. Donc franchement, déjà, on a ceci dans cette magnifique trousse. Nous avons un mètre ruban. Alors ça, je ne vais pas le déplier, je vais le laisser tel quel. Nous avons un mètre ruban. Donc, nous avons des marqueurs de maille sous forme d'épingle à nourrice. Alors, il y en a combien? Parce que ça, en revanche, je peux les sortir. J'en ai déjà des comme ça. Et moi, je ne les laisserai pas ranger dedans. Je vais les mettre dans un sachet zippé. J'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc voilà, c'est en plastique. Hop, on met notre petit côté pique dans la maille de notre laine, notre fil à tricoter et on vient fermer. Et voilà. Ça va venir ici au niveau de l'arrondi, ça va venir se mettre, ça va venir se tenir sur notre maille. Donc, je ne vais pas tous les fermer, mais on a du bleu, on a du orange, on a un rose, du vert, on a deux différents bleus. Je vous dis, on a du bleu, mais on a deux différents bleus. Hop. Donc ça, je vais les laisser, je vais les mettre dedans pour l'instant. On a un compteur de mailles ou de rang, mais cela, alors attendez, j'essaie déjà de leur mettre à 0,0, voilà, et de 1 et de 2. On a un compteur, vous voyez, là ils sont à 0. En fait, on va pour tourner nos unités ici, alors que je le tourne dans le bon sens, une maille ou un rang, 2, 3, mais alors celui-ci. Il peut aller que jusqu'à il est tombé dans la trousse. Jusqu'à 99. Si vous arrivez au, je sais pas, je vous dis une bêtise, il faut que vous faites un. Vous avez un projet où il vous faut 100,
je sais pas, je vous dis une bêtise, 110 mailles ou 110 rangs. Bah, une fois que vous êtes à 99, voilà, vous faites votre centième maille ou rang. Vous prenez un petit bout de papier à côté de vous, vous écrivez 100 et ensuite vous savez que quand vous reprenez ici, allez, je le remets à 0 pour la dizaine. Et ben vous remettez le 0 à votre dizaine et quand vous faites votre 101e maille ou 101e rang, vous mettez le 1 et vous savez que vous êtes à 101. Des petits trucs comme ça. Et nous avons des crochets. Alors ça, je vais pas les laisser en sachet. Je vais pas les laisser dans les sachets. Hop. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, nos crochets ont des manches en sirène. Voilà, donc pour nos tailles de crochets, ça va pas être marqué aux manches, ça va être marqué directement, ça va être gravé sur le crochet. Alors là, c'est du 8. C'est ça. Hein. Ouais, là c'est du 8. Ensuite, j'ai du 2,75, c'est petit. Ça va venir compléter un peu ce que j'ai. Nous avons du 6. En plus, les couleurs des crochets changent. Nous avons du 4,5. Alors, le manche, ça me fait penser à de la pâte. Vous savez, la pâte Fimo. Ça me fait penser à ça, le manche. Avec des finitions, pas forcément. Voilà. Ça me fait penser à la pâte Fimo, le manche. On verra. Du 5,5. Du 5. J'aurais voulu les prendre en même temps, j'aurais pas réussi. Du 3,75. Ah, celui-là, j'en ai pas. Bon, des demi, j'ai pas. Bon, des 75, encore moins. 3,75, c'est la même couleur. Non, c'est un bleu différent. 3,25. Oula, c'est écrit tout petit. 2,25. 4 et là 6,5. Prise en main, je suis gauchère, ça va, c'est léger malgré le manche fait. Alors j'ai vraiment l'impression que c'est de la pâte Fimo polymère, mais c'est vraiment joli. C'est vraiment joli, en plus c'est bien, on n'a jamais un manche identique parce que les traits noirs peuvent être épais, tout fins, les écailles peuvent être plus grosses, difformes. Donc ça c'est vraiment, franchement j'aime bien. J'ai craqué et là j'ai mes filles qui craquent sur les trousses, sur la trousse. C'est vrai qu'elle est jolie mais je vais essayer de la garder pour moi. J'ai bien dit essayer. Alors oui, vous voyez les cartons de Noël. Mon mari est en train de tout sortir. Bientôt, derrière moi, ce sera le sapin. Dans beaucoup de vidéos. Parce que je tourne les vidéos à l'avance, comme vous le savez. Ensuite, j'ai choisi un petit sac. Vraiment petit, parce que je me dis que je ne veux pas mettre 50. Je vais essayer de me concentrer sur un projet. Alors, est-ce que j'avais marqué c'est du 14,5 sur du 14, la petite sacoche avec ses petits rênes. Il était au prix de 4,57 €. Et dedans, en fait, je vais bien mettre mes petites
les petites pelotes, de toute façon vous allez le voir comme ça par exemple, et j'en mettrai une ou deux, enfin j'en mettrai deux, et je viendrai faire glisser mon fil ici, hop, comme ça j'ai pas la pelote qui traîne sur moi ou dans le canapé ou par terre ou sur la table, hop, c'est toujours protégé à l'intérieur, et moi je viendrai glisser le petit fil ici. Et je viendrai crocheter ou tricoter comme ça avec mon fil sera protégé. C'est surtout aussi pour m'éviter que mes amis les chats viennent jouer avec mes pelotes. J'en ai une qui est forte qui aime bien ça. Pourtant je les mets dans un... Je suis en train de me faire une écharpe au tricot. Je les ai mises dans un pot en ferraille que j'avais eu à Action. Mais on voit de travers, donc elle s'amuse. Donc là, elle ne peut plus s'amuser parce que je vais fermer après forcément. Donc elle ne va pas s'amuser. Bon, je ne vais pas mettre des grosses pelotes, mais pour ce que je vais pouvoir y mettre, déjà, ça va protéger ma laine. Et puis, ça va être facile de transport. Ça va être bien facile à transporter. Pas beaucoup de place. Une fois que c'est fermé, on l'attrape facilement. Ça reste discret. Et j'aime trop les motifs. Franchement, regarde. Alors c'est ma première sacoche que j'ai comme ça. J'aimerais bien avoir un sac, un gros sac à laine, un sac à projet. Hop. Je mets des projets un peu partout. Et ça prend de la place, mine de rien. Donc voilà, franchement il est trop beau. J'adore. Les petits rênes avec des mandalas à l'intérieur. J'adore. Ensuite, j'ai choisi... alors il s'était marqué... du coton yarn ou du fil coton lait. Alors ça c'est ça, les dégradés comme ça. Alors il y a 50 grammes à, enfin il y a plus ou moins 50 grammes à 2 grammes près en moins ou en plus. Hop. Je vais la remettre dedans après. Alors ça, je pensais en faire des alors je voulais en faire un petit cache-oreille pour Lilou. Alors, il se lave à 50 degrés. On peut le repasser. Pas de sèche-linge. Et c'est du 100% acrylique. Et regardez, les couleurs, franchement, elles sont belles. Quand Lilo l'avait, elle a dit, waouh, c'est quoi ? Elle est bien les couleurs. Donc, on a du jaune, du rose, du bleu. On a 3 nuances de couleurs. Je vais voir pour y faire. Alors, je pensais faire un cache-oreille, mais alors je crois que le fil il va être fin. On verra. Mais je vais en faire quelque chose. Je pensais que c'était un petit peu plus épais. C'est pas marqué en combien ça se crochette ou tricote. Mais je pense pas plus de 3. Au vu de l'épaisseur, pas plus de 3. Déjà 3, c'est petit. Hein, ça reste petit. Donc. Où j'ai vu des trucs, ça pourrait être sympa. De toute façon, je vous montrerai au fur et à mesure. Il faut juste que j'apprenne à bien manipuler le crochet. Alors maintenant, j'arrive à faire les mailles, à monter la chaînette. J'arrive à faire quelques trucs. Des fois, je fais des trucs, je voudrais le faire, j'y arriverai pas. Donc là, j'en ai pris 2. Et ça, c'était 2,28 € la pelote. Voilà, avec plus ou moins 50 grammes chacune à 2 grammes en plus ou en moins dans la pelote. Voilà, c'est marqué ici, voyez, 50 grammes, plus ou moins 2 grammes. Alors, il va y avoir 2 grammes en plus ou 2 grammes en moins sur la pelote. Donc, soit on a 52 grammes, soit on a 48 grammes à peu près. Au minimum, on a 48 grammes, pardon. Au maximum, on a 50 grammes. Hop, je crois que dedans, je vais ranger mes marqueurs de maille. Ensuite, j'ai pris du fil à crocheter Just Nayo. Alors, celui-ci, hein, il se lave à la main, il ne se repasse pas, pas de sèche-linge. Pas de repassage, tout ce que vous voulez. Et celui-ci, je le crochète, enfin, je le ferai pas plus de 2, pas plus de 3, que ce soit crochet ou tricot, pas plus de 3. Et c'était également 2,28 € la pièce. C'est des pelotes, pareil, de plus ou moins 50 grammes.
c'est pas marqué dessus le poids, mais moi j'ai noté dans mon carnet, chaque fois mes bobines font plus ou moins 50 grammes. C'est pareil, hein, c'est à quelques grammes près, je suppose, en plus ou en moins, mais voilà. Et j'ai choisi, alors, ce fil, c'est pareil, Just Nayo violet. Alors, eux, là, ils disaient rose flashy, mais de toute façon, comme d'habitude, je vous mets les liens en barre d'infos. En violet, pareil, chaque pelote, 2,28€, plus ou moins 50 grammes, à quelques grammes près, en plus ou en moins. Là, c'est pareil, je vais voir ce que je vais en faire, parce que j'avais plusieurs idées à faire avec. Maintenant, il faut que j'arrive à me décider quoi, mais je vous montrerai ce que j'ai fait avec. Dans quoi je l'ai mis ou pas, et vous verrez. Voilà, bah écoutez, on va passer les petits produits en revue. On a, si je l'ouvrais ce serait mieux, notre kit crochet avec nos crochets de plusieurs tailles, nos compteurs, nos marqueurs de maille, un compteur, un mètre, je crois que j'ai oublié un truc. Et nos aiguilles à laine au prix de 14,89€, tout est compris, hein, les crochets, la trousse, marqueur de maille, aiguille à laine, mètre et compteur. Et le petit ruban noir là, au prix de 14,89€. Je vais prendre soin de bien ranger ça soigneusement. Nous avons notre petit sac de 14,5 sur 14 cm au prix de 4,57€. J'adore. En plus, l'idée du trou ici, là, pour mettre notre fil, c'est pas mal. Nous avons nos deux pelotes multicouleurs 100% acrylique au prix de 2,28€, pièce de plus ou moins 50 grammes. Nous avons nos deux pelotes violettes, pareil, plus ou moins 50 grammes, 2,28€, pièce. Et nous avons nos deux pelotes rose flashy, plus ou moins 50 grammes, au prix de 2,28€, pièce également. Voilà, moi je remercie énormément la société FG Normal pour cette collaboration. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye, bye.